Voilà, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, vous qui nous écoutez à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avec vous chaque dimanche à partir de 7h, nous avec ministre Patrick Lenne depuis la France qui est avec nous pour nous capables parler ensemble sur la parole faite chair. C'est une bénédiction, le nom gagné vérité. Donc, que le Seigneur capable bénir tout bien-aimé cap coûté, ou même cap coûté sur réseaux sociaux. Que le Seigneur continue bénir, nous saluer tout super branché, ou même qui branché nous sur des stations de radio qui relayent. Que le Seigneur bénisse. Non pas c'est David Sirah, un bien-aimé pasteur qui l'a pour nous capable et camper pour la vérité tant que yon instrument. Que le Seigneur bénisse et nous avec vous pour yon bon moment. À soya, nous gagnons sujet, c'est être sauvé dès avant la fondation du monde. Mais avant même que nous permettre, et bien aimé Patrick Lenne, depuis la France, prend la parole, n'a justement li yon portion de l'écriture pour vous. C'est dans 1 Pierre 1er, à partir du verset 15. Il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci parce qu'on t'attendait et n'a passé micro avec ministre Patrick Lenne depuis la France. Patrick Lenne, nous saluons que Créateur est capable de continuer. Je te grâce lui sous la vie. Nous
donc saluer tout auditeur et toute auditrice radio et votre 18 dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous comptons pour nous capables de retrouver avec vous encore par Soya, donc depuis Otenouya et à Paris. Donc, nous dit bon Dieu merci en pile et pour s'inviter à lui, qui permettent que nous sommes capables d'utiliser trompette ça pour diffuser parole qui bénit la vie. Donc, nous saluons tout le monde qui toujours suivre Radio ça. Et nous croyons que c'est Seigneur béni et permettre que le moment que nous allons passer ensemble, capable du moment béni, et nous capable de découvrir des choses. Peut-être qu'on n'a pas fait attention à elles, peut-être qu'on ne connaît pas tout. Mais après, renforcer croyance, si vous êtes quoi, pour capable plus soudé et plus solide encore dans la croyance. Donc, moi, je compte pour m'arrêter de soir, pour Dieu bénir. Voilà, nous tendez ministre Patrick Laine depuis la France. Donc, Asoya, c'est justement pour nous capables débattre sujet ça, qui c'est être sauvé dès avant la fondation du monde. Patrick Laine, qui s'en qu'a dit de tout en pile l'autre cap déclaré que yo sauvé à travers les jeunes croisades et veille de nuit et tout qui sont portés pour peuple là dans sens ça. Et serviteur de Dieu, non fois, mais nous saluons encore bien des millions, ce millions qui nous vraiment pile, qui trouvaient en Pennsylvanie ou tout aux États-Unis qui sont à côté, nous capables de suivre. Et quelques autres bien-aimés qui sont avec nous, qui a suivi tout, nous saluons. Alors, nous souvent employé ce texte que moi-même utilisé, les gens qui ont converti dans la croisade ou bien ils ont converti dans la vie traditionnelle et dans le programme ou bien ils ont converti à travers l'idolâtre qui est le film Jésus, l'idolâtre Brian Deacon en tant que Jésus, où il a prié et puis c'est l'image Brian Deacon qui est dans la tête comme Jésus, il a prié, vous comprenez moi, homme blanc chez l'homme. Et souvent employé Matthieu 23-15 ans pour nous. Parce que Matthieu 23-15 ans, en quelque sorte, c'est exactement action protestante menée, les soi-disant prétendent qu'ils ont fait évangélisation, puisque l'évangélisation fait dans un bâtiment, côté où il y a eu un qui dans la rue, de porte en porte, de maison en maison, vraiment. Donc c'est Matthieu 23-15, comme il dit. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites, et ainsi de la gêne deux fois plus que vous. Ça veut dire, monde qui vit l'évangéliste de Yahweh, soi-disant qui porte Christ pour nous, monde n'a peut-être pas lu son monde qui va gagner pour nous avec Christ, d'ailleurs, son fils de la gêne, Gélier. Maintenant, l'élevé, beaucoup qu'il coûte à l'évangéliser, lui-même tout des fois plus fils de la gêne que monde qui mène, qui apprend de qui enseigne là. Donc, je vois dit tout à fait remarquable par rapport à Jean texte là, expliquer ça. Et ça, que l'on protestant en copie, copain, c'est pas étonnant. Mais bon, bagaille, dans Matthieu 24-24, là, qui dit les idées faux Christ et faux prophètes qui viennent pour venir. Il a fait miracle, il a fait prodige. Et il n'y a pas de gens du monde qui foi parce qu'il a fait miracle ni prodige. Il a fait miracle, il a fait prodige. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que le texte a dit, il a tellement fait miracle et prodige au point pour qu'il a séduit même le monde qui est élu, s'il était possible. Et mon remède frère, si dit s'il était possible, il a séduit Elio. C'est-à-dire, mon qui est Elio, il n'a pas qu'à séduire parce que l'île n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il est élu et mon qui est Elio, c'est l'île qui parle, n'est pas possible.
Donc, il y a qui fait les hauteurs de mon en converti dans croisade ou converti dans quelque chose à l'IA. C'est une démagogie. Ce n'est pas à faire bon Dieu. Oui. Parce qu'on vous a demandé qui crie. C'était faux. On prend, mais c'était vrai. Parce que bon, faux. Bon, faux. Donc, si nous avons vraiment des conditions pour les jeunes, de toute façon, derrière le Seigneur a déjà dit dans Acte 47, là, le Seigneur ajoutait à son église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il va lui ajouter chaque jour dans l'église lui, ceux qui sont sauvés. Il dit ceux qui étaient sauvés. On a la question, pourquoi le texte l'a dit ceux qui étaient, non pas ceux qui sont sauvés. Ceux qui étaient sauvés, c'est Ephésiens 1:4 qui a expliqué nous, qui a fait nous comprendre que chaque monde qui ajoute dans l'église, c'est le monde qui était prédestiné à être ajouté à l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire le monde qui était déjà élu avant la fondation du monde. Donc, même Jean nous lit dans la parole là, c'est ça déjà clair, lorsque l'apôtre là, recevoir un message pour toute nation. Alors, nous voyons dans Actes chapitre 13, 47, 48, pour nous capables de débuter sous question, être sauvé depuis avant la fondation du monde là, côté sa sortie, pourquoi le ça, et est-ce que mon monde pendant une sauvée, est-ce que sauvé à son coup, déclé, on coupe l'oreille, ou bien on a ce côté de sortie, comme Babi, ou il est sauvé? Ou est-ce que son bagage est bien déterminé par Dieu? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a fait un effort pour le sauver? Est-ce qu'on a travaillé pour le sauver? Est-ce qu'on a dit, si vous dites, est-ce qu'on a sauvé? Puis qu'on dit, pas qu'on sauve, non, on a fait un effort. Et est-ce que bibliquement c'est vrai? Est-ce qu'on a pas parlé en menti? Ok, donc là, acte 13, verset 46, 47, 46, 47. Alors, 47-48, puis tout a commencé à 47-48. Bon, mais bon, 48, ça va, mais 48, alors, bon, 45, 46, 47, dans Acte 13. Il dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul, Barnabas, leur dit, avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. De quoi? Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 48, texte qui lui désoyant, les païens se réjouissèrent en entendant cela. Ils glorifièrent la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Oui. Notez le verset 48. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle courut. Ça veut dire, personne qui part destiné à la vie éternelle, l'entend des messages-là par des gens quoi. Parce qu'elle n'est pas destinée à la vie éternelle. Il faut le destiner à la vie éternelle pour quoi. À 2,47, dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, parce que l'église avait dit chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue. Le Seigneur a dit à son église, chaque jour, ce qui était sauvé. Ça veut dire, tout ça, c'est prédestination. C'est pas beaucoup de l'oreille qui ajoute dans l'église là. C'est pas parce qu'on est tombé dans l'église là. Non. Pourquoi
En Genèse 48, il dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle courue. Pourquoi à Dieu 47 dit le Seigneur a dit à son église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, avant même que m'ajoute dans l'église, c'est déjà sauvé. Gardez à Dieu 47 la Bible. Gardez le bien dans le Bible, bien aimé frère, sœur, que moi en pile là. Gardez dans le Bible, hein, l'aime lit à Dieu 47, m'étonner. Acte 47 dit, avant même m'ajouter dans l'église, tu es déjà sauvé. Ah, et mon cap dit, il y a beaucoup de sauvés à faire fort. Est-ce que c'est vraiment dans l'église Christ là, oui? Et ou même, les hommes aux est-ce qu'on sauve nous, beaucoup de sauvés faire fort? Est-ce qu'on suit qu'on est dans l'église Christ là? Parce que tout le monde qui ajoute dans l'église Christ là, c'est le monde qui sauve déjà. Peut-être que ça, Acte 48, Acte 47, tous les édiles étaient destinés, étaient sauvés. Il n'y a pas dit tous ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas continué, frère Zahoui, non? Pour dire tous ceux qui sont sauvés, le Seigneur a dit à son église, a dit ceux qui sont sauvés, non, étaient. Parce que Éphésiens 1, gardez avec Éphésiens, chapitre 1, Éphésiens 1, le verset 4. Éphésiens 1, 4 dit. Éphésiens 1, 4 dit. Bon, regardez pour moi. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour quelle raison? Pour que nous soyons saints. Ça veut dire que nous avons l'obligation d'être saints parce que nous avons été élus pour cela. Vous avez des gens qui disent, pas des gens qui savent. Et personne ne va casser. Ne pas jamais oublier de vous passer ou pas qu'à sauver. Parce que tout le monde qui est élu, il est élu pour nous saints. Christ a élu personne pour le vin Chanel, pour le vin pécheur de vrai. Christ est élu pour saints. C'est pas clair là. Avant la fondation du monde, nous avons été élus afin que nous soyons saints et irréprochables. Pas aucun reproche devant Christ et même pas devant les hommes. Nous, peut-être nous devant les hommes, des petits bagages d'imperfection, les hommes batakawe, mais devant Christ, qu'on parle devant Christ, irrépréhensible. Et où est-il pour ça? Ouais, dans l'église traditionnelle, parce que peut-être en bas, parce que peut-être ceux qui peut-être pété, ils ont toujours dit que, oui, ou destiné pour régner, ou destiné pour riche, ou destiné pour contrôler le monde, ou destiné pour contrôler la terre, ou destiné pour gouverner, pour gagner une belle voiture. Dans qui dit Dieu? Est-ce que Bible a tout destiné, créé loup pour faire ça dans la terre? Ou est-ce que destiné, c'est 5%, oui? Ou destiné pour saint, ou élu pour saint, ou élu pour sans reproche. Maintenant, question. Nous arrivons à comprendre pourquoi, dans Acte 47, il dit tous ceux qui étaient sauvés, tous ceux qui étaient destinés à la vie, Acte 47, Acte 48. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Nous comprenons pourquoi il dit comme ça. Et nous comprenons pour Acte 47, tout ce qui était sauvé. Ça veut dire, c'est parce que depuis avant fondation mondiale, nous t'es élus. On est assis, nous faisons retour en arrière. Et nous dit peut-être nous, ok. Moi, j'étais élu avant fondation mondiale, mais ce n'est pas pendant la fondation mondiale, non? Ni dans la fondation du monde. Il dit avant. Ça veut dire, les mois même avant, nous étions élus, la terre peut quand même exister. Ça peut coexister, bien-aimé. Ça veut dire qui ça? Quand nous étions élus, nous avons été élus dans l'éternité. Amen. Maintenant,
t'es élu dans l'éternité, trajectoire lune tracée déjà par Dieu. Toute action pour le poser, c'est action pour nous sauver la vie. Tout porte m'a posé bien, c'est façon pour nous sauver ma chaîne pour le marché. Parce que déjà dans l'élection, Christ là, je ne vais pas mettre tête pour encore. Et c'est pas pendant que nous courons, pas comme nous courons, pas jamais mettre tête, parce que vous avez des bagages pour pas de dessert, nous ne comprenons pas ce qui est élu. Ou capable de connaître sur élu, garder le fonctionnement vieux. Examinez peut-être tout, même si j'ai compté 35 dias, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la parole pour vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, alors peut-être que vous devez le prouver. Donc, vous êtes capable d'examiner peut-être pour qu'on tout pourrait. Si vous êtes dans l'éternité, vous êtes élu. Dans l'éternité, mais lui dans l'éternité. Quand il y a un mouvement de vie, est-ce qu'il me sauve pour me dire que je ne peux pas connaître ma paix et pas? Ou je m'en demande, ou si c'est quand Christ souillé, ou si c'est Christ soit accepté, ou si c'est pas Matthieu 23, 15 ouillé, ou si c'est pour mon Matthieu 23, 15 ouillé. Avant la fondation du monde, nous avons été élus. Donc, ça dit, mon Dieu, pourquoi créer mes élus? Qui va mes élus? Mes élus dans l'éternité. On a des vies dans l'éternité. Nous sommes mon bon Dieu, qu'on y a, à cause des élections, c'est ça que t'as obligé de passer par acte de 38. Pour prouver qu'elle t'est élu, oui. Qu'on y a, plus qu'elle t'est élu, c'est ça que mon riche accepte de passer au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de mes péchés, pour capable recevoir cet esprit qui t'est élu non. Dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, Dieu, c'est esprit. L'engagé dans la création. Si Dieu n'a pas ouvert la bouche, il parlait, par les gens qui t'ont connu l'existence, mon Dieu. Parce que le texte-là dit non, Jean 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu parlait. Et Dieu avait la parole. Parce que la parole était Dieu. Pourquoi il dit au commencement, Dieu parlait? Mais parce qu'au commencement, texte l'a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dit, puis Dieu dit, hein, que la lumière soit et la lumière fut. Admettons Dieu te présenté dans l'univers-là. Il n'y a pas de jambes parler. Est-ce que tu as dit au commencement, Dieu était la parole? Ou qu'a dit au commencement Dieu était, au commencement était la parole, ou bien qu'a dit au commencement Dieu parlait. Parce que l'aide du commencement était la parole, a dit au commencement mon Dieu c'est parler, parler. On dit paraît, mon Dieu paraît, l'esprit apparaît au-dessus des eaux, et puis paraît, il nous veut boucher le balai. Pendant la parole à moi, vous nous devez parler lui. Raison pour laquelle vous êtes capable de comprendre les dieux formaient l'enveloppe de l'homme. Ils forment une enveloppe qui n'est pas vivant, une enveloppe morte. C'est le souffle dans la narine, l'homme est vivant. Parce que l'homme est vivant, physiquement. Parce que l'homme s'est créé dans l'éternité, l'esprit de l'homme, Dieu créé dans l'éternité. On a fait pas mon corps pour mettre l'esprit de l'homme pour gérer jamais.
Puisque Jésus-Christ, Dieu voyait le manon chef semblé à chef péché, mais qui pas chef péché, ça veut dire pas dans chef, non le temps, il était dans l'éternité. Mais oui, ok, bon Dieu, c'est mon Dieu chrétien, là, c'est où je voulais, avant la tête, c'est que mon Dieu était dans l'éternité, oui, mon ami. Ou bien l'autre question? Ça que l'éternité, l'infini, oui, mon ami. On va comprendre plus loin, parce qu'on va connaître un an à faire l'infini, pour qu'il y ait une révélation pour vivre là. Donc, Dieu créé moi-même avant, dans l'éternité, nous élus depuis même dans l'éternité. Ça veut dire, en réalité, Dieu créé nous élus. Il créé nous élus. On y a là, puisque nous élus dans l'éternité, est-ce que le fait que nous prenons quoi dans le vrai message là, nous prenons recevoir un vrai baptême? Est-ce que c'est un hasard qui est dit? Non, pas un hasard. Quand vous regardez pourquoi c'est pas un hasard, nous avons regardé avec moi dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset, les versets 8, 9, 10. Mais c'est verset 10 là, besoin. Maintenant, il n'y a pas dit verset 8. Nous avons c'est son hasard, le fait qu'ils nous accepté baptisé, et le fait qu'ils nous fait bonne œuvre, le fait qu'ils nous pas fait méchanceté, le fait qu'ils nous pas agi mal. N'a pas gardé pour nous si son hasard par pays. OK? Verset 8, Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait pour cela. On va gagner pour avec ça. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, j'en dis, c'est toi. Et Jean 5, 19, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes, et nous sommes dans le véritable, dans son Fils. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est lui qui est le Saint-Esprit, le don là, le salut là. Donc, il est élu nous, depuis avant la fondation du monde là. On y a, il vient comprendre. Dans Éphésiens 4 là, depuis dans l'éternité, mais lui. On y a, regardez-moi, si Mélie dans l'éternité, est-ce qu'elle nous casse en route? C'est moi-même qui ai pris la décision. Non. Toute trajectoire me contrôler. Les gens viennent de parler de où est mon Dieu, où est nos parcelles, ou bien pas tomber. C'est pas un parce qu'il nous dit. Nous, il dit. Verset 9. Il dit ce n'est plus par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10 que nous besoin. Il dit car nous sommes son ouvrage, ça veut dire qu'il fait nous. Ayant été créé où? En Jésus-Christ. Pour qui ça? Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. M'a répété. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2:10. Ayant été créé où? En Jésus-Christ. Pour qui ça? Pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres, c'est à vous dire, qui j'ai fait? Que Dieu a préparé là-bas. Ça veut dire, bonnes œuvres, bon Dieu, nous créer. Nous, c'est où? Ouais, bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est vous. OK? Nous qui créons, nous, dans Jésus. Nous, c'est qui ça que dans Jésus? Hein? Pour nous capables de faire bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ça, qui j'en ai bonnes œuvres, son seul bonnes œuvres que lui-même lui a préparé d'avance pour nous faire, pour nous pratiquer. Ça veut dire ça. Pas gagné un bras fait, qui prend au hasard, c'est pas gagné bon Dieu, qui prépare déjà, depuis bien bon et bon de fait. Eh bien, qu'on y a là, lève le temps des messages là. Et puis pendant que des messages là, accepter ces messages là.
m'a accepté baptisé. Je lui prie le baptême dans œuvre juste. Parce que lorsque il est dans Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, il va au bout de ça, c'est moi qui prends au bout de la vie, par moi, en disant, qui t'es pas là, qui juste, tu fais maintenant. Ou pas, on va le connaître, on va le connaître. Donc, le baptême, son œuvre juste et bien. Donc, ça veut dire, les moins, même avant, on va accepter baptisé pour danser des liens avec Christ, son œuvre juste que nous acceptons de faire. Est-ce que son hasard? Non, c'est pour hasard. Depuis avant la fondation du monde, Seigneur a été élu nous pour nous accomplir un hasard. Parce qu'il était préparé pour pratiquer. Depuis avant la fondation du monde, tout est déjà préparé. Dans le monde, il a dit que dans ce temps, lorsque Marc de la Bête, il a dit, je ne vais pas prendre Marc de la Bête là moi-même, je vais préciser Marc de la Bête là. Comme si il va lire la Bible pour nous, tout le monde qui a pas Marc de la Bête là, il est destiné pour nous prendre. Ah, c'est où qu'on va décider, je ne vais pas prendre Marc de la Bête, je vais prendre Marc de la Bête, c'est où qu'on va décider ça? Où mettre tout? Ou destiné pour vouloir prendre lui. Sans doute, tout sauver, je ne vais pas décider de sauver. C'est pas où elle décide de sauver, non? C'est comme on dit, l'idée, c'est de bien avoir pour la sauver, dans les qualités de la sauver, oui. C'est pas là où elle décide de dire, bon, c'est pas là, bon, c'est comme dit, on est pas non, qui veut le sauver. Et qui ça Seigneur a dit? Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure avec ce que vous demandez à mon nom, bon, vous l'accorde. Donc, ça veut dire, c'est pas moi qui choisis servir Christ, c'est lui qui choisit depuis qu'il est dans l'éternité. C'est pas moi qui choisis établir tête loin, c'est Christ qui établit. Nous, dans Jean 15, verset 16, là. C'est pas moi qui décide d'aller, c'est Christ qui voyait. Ah ben oui. C'est pas moi qui décide de porter des fruits, c'est Christ qui fait porter des fruits. Parce que même Jean dit, même Jean qui pas, c'est lui qui est mon dème pour me capable de porter fruit. Il dit, verset 7 là, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, laisse mon bagage, c'est pas vous qui décidez, c'est lui qui fait. Maintenant, l'homme garde ma tête par le 5, 23, 24, il dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même. Oh! Qui Jean Dieu le Père sanctifie au pourquoi qui c'est qu'elle a entré dans où? Qui sacre du monde sanctifié? C'est l'Esprit qui a entré dans où qui sanctifie. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Avec tout votre esprit, esprit de sanctifier. Même Jean dit dans 1 Corinthiens 7, 35 ans. Amour de sanctifier, corps de sanctifier. Il y a trois entités, ça a de sans reproche pour arrêter Christ là. On est là, l'offre de l'Église, les 23 et 35. On va le bouleverser corps, on dit, mais comment on va le faire pour être capable de sanctifier, pour sanctifier comme l'esprit, non moins. Mais si on va faire travail, on va le faire pour problème, on va se faire tout sous, on pile souci, on dit, mais comment on va le faire, c'est compliqué. Verset 24 l'a dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le sera. Donc là, il n'y a aucune responsabilité pour me sanctifier maintenant. Parce que je ne vais pas faire moi-même. C'est Christ qui a sanctifié. Qu'on a l'air de sanctifier, c'est qu'il prend le Christ, mais moins, qui ça? Jean 6, 63. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie.
Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous allez recevoir la parole pour être capable de recevoir esprit et vie. Donc, c'est-à-dire, Seigneur va souffler sur moi à travers la parole, par la parole, pour que l'esprit et souffle de vie sur moi. Et c'est ça que pour Alchem, il s'agit à quelque chose. Parce que l'homme déçu dans la chair, l'homme dit à l'état de l'homme animal, là, sinon il contient du 14 là. Les sards, il bâtit la carrière parce que la chair a servi à carrière. Mais de fond, Dieu mettait l'esprit dans moi pour me quelque chose. Qu'on a, pour le sanctifier, c'est qu'on s'en passer pour le sanctifier. Ephésiens 5, 26. Pour l'avoir purifié par le baptême d'eau, sanctifié par la parole. On a la parole qui est esprit et vie, c'est lui pour me recevoir après que j'ai été purifié par le baptême d'eau, qui doit le sanctifier, on a dit pour me recevoir l'esprit qui pourra me maintenir. Il y a un monde qui sanctifie, c'est un monde qui sait. Apocalypse 22, 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore, et que le juste pratique encore la justice. Ça veut dire celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a un monde qui sanctifie, c'est un monde qui sait. Qui j'en vous l'a sanctifié, et c'est des 5, 26. Après avoir signé par le baptême, de sanctifier par la parole. Pourquoi parole la sanctifie? Parce que parole là, c'est le genre qui 63, parole là, c'est esprit et vie qu'elle lit. Maintenant, l'évêque, c'est cet esprit dans moi, puisque il y a esprit sanctifié, et moi, c'est pas esprit à travers la parole. À faut que je pose mes mains, je prie, c'est la parole, et on recevoir l'esprit. Si c'est pas comme ça, on va la donner. Prédestiné. Élu depuis avant fondation mondiale. Et ça, ça me dit des trois catégories de monde. Des monde, alors, ça m'a dit un peu fort. Il y a un monde en tant que serviteur de Dieu qui paraît devant le monde dans la pays. Ou quand on a le péril, c'est fini. Parce que tout le monde qui a prêché l'évangile. Quand on va dans un pays qui a prêché l'évangile, ça, c'est fini pour lui. Parce que tout le monde qui a dit que c'est fini. Ou quand il y a un monde qui n'est pas prédestiné, on dit pas prédestiné, Dieu est capable de révéler lui, mais il est capable de dire comme ça, que lorsqu'il quitte terre. Mais, il y a deux autres types de monde. Ou bien, démon qui n'est humain, c'est-à-dire démon qui est démon, mais qui est monde, quand il y a tout le monde qui est démon, qui fonctionne avant, c'est démon, oui. C'est démon, oui. Parce que sous terre, il y a pile démon qui fonctionne comme humain. Ça, ou pas qu'à prêcher l'évangile. Ou pas qu'à prêcher le monde transgenre l'évangile non plus. Parce que ça n'a pas été la carrière. L'homme dit transgenre, le monde qui fait de la sorte de famille. Ou qui est patient, qui est pénitré, il met des chouchounes, il met des chouchounes, il met des pénis. Ça, c'est fini. Ou pas bien prêcher ça à l'évangile. C'est fini pour lui. C'est fini. Et pourquoi arriver dans le niveau d'art? Parce qu'il n'est pas destiné à honorer l'œuvre de Dieu.
c'est que Élie est destiné à honorer, glorifier l'œuvre de Dieu, et honorer l'œuvre de Dieu, respecter l'œuvre de Dieu. Tout le monde qui dessine la pétition, je le destine automatiquement à déshonorer l'œuvre de Dieu, parce que c'est ça qu'il faut faire pour compléter, il y a même tout, perdition, il y a. Ouais, nous élus, nous ne pouvons pas être jeunes qui écrivent d'avance pour nous pratiquer, parce que nous élus, nous qui périons, nous ne pouvons pas être bagages qui préparent pour l'accomplir d'avance. C'est qu'on s'allie. Maintenant, bon paquet qui fait discussion, et nous connaissons, nous devons entendre ça en pile. C'est question, la plupart des mondes dans l'église chrétienne qui dit sauver par sauver net. Moi, sans pas même aller dans le verset biblique, ou bien sans pour rentrer dans le texte là, pour prouver le contraire, nous avons demandé, monsieur Damzaïo, est-ce que Jésus-Christ a mouru pour le monde? D'ailleurs, Jésus n'a pas mouru pour tout le monde. Il est mouru pour lui seulement. Il n'a pas Jésus, il va égarer, parce qu'il est mouru pour le monde, il va être élu. Jésus-Christ est mouru pour élu. Quand on a posé des questions, ça vous a posé une question. Est-ce que Jésus-Christ a mouru pour moi? Parce qu'il me sauvait depuis avant de faire ce monde-là? Et puis, vous me perdez. Donc, si vous comprenez, je dis pas que sa capacité, même quand il est dans la ville. Donc, ça n'est pas Jésus. C'est une question, il y a oublié que Satan sont instruments dans Jésus-Christ la joie avec. On va le dire, Satan, dans le livre Job là. Il fait trois présentations devant Dieu. Chaque attaque l'a fait. Il dit Seigneur, il ne pas dit Seigneur, bon, frère, et Job. Non, il dit Seigneur, longuement, pas avec Job. Parce que Pascal lui-même prend une décision pour Papa Job, elle a une autorité dans ce temps. Ah, dès que Papa Job ne va pas abandonner, Dieu dit ok, elle frappe. Ça veut dire qui ça? C'est Dieu qui frappe Job, il utilise un instrument qui est Satan pour le frappe. Ah, si vous êtes bien, ou après lui d'agir, longez même. Dieu longez même. Et à qui met Dieu frappe? À Satan. Sont qui jouent que ça tient. Donc vous pensez que où est lui et puis on a dit d'abord où est lui et puis voilà après vous avez dit Élie net là sauver net là c'est pas vrai. Bon vous cherchez ça on a qui dit Dieu ouais sauver pas sauver net. Non qui dit Dieu ouais ça qui dit si nous ouais qui dit si nous ouais mon bon Dieu Élie qui mettait dans l'église avant bien livré à pas bien livré qui perdu. Judas périt, Judas te décide de vous le périr. Somme 109 est déjà écrit sur Judas. Le site de la perdition. Est-ce qu'au monde Christ sauvé qu'a perdu? Voilà, regardez vos doigts. Nous allons dans cette salle, Jean 17, aidez-vous sauver. Où sauver? Où sauver? Pas tant de me dire quand vous avez mis celle dans tout. Ça n'a pas fait, dis non. Il y a déjà eu un groupe de l'Isère, qui dit, qui va la faire, dis-moi, c'est chérie, Aïe. Nous, je l'ai à partir de verset 6, là, pour vous dire dans verset 9, alors, dans verset, ma première verset, ma première verset 12, là, tout parce que c'est comme nous, mon qui décide de guérir la périsse, ça dit que vous auriez à aller à mon qui s'appelle. Alors, verset 6. Je vais faire connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Alors, les nous pour nous continuer sur une question baptême, non? Nous gars pour nous prendre parce que pour nous parler de même des tout fait nous ouais non papa vite fait même pas tenter dans toute profondeur des débats posés, c'est mieux qu'on puisse nous comprendre vite. Mais dans profondeur enseignement, faut regarder pour le côté Jésus qui te révèle non, il révèle non papa. Isaac, elle dit, papa, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est Jésus-même qui révèle le nom du Père aux apôtres. Allez, tout nom est cité là. Ça, c'est pas eux, cité. Elle dit, non, papa, c'est Jésus qui révèle. Quand on a souvenu qu'on dit qu'il n'y a pas d'apôtres, parce que je révèle le nom en bas d'apôtres.
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ok? Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et qu'ils les ont reçues, et qu'ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Marc Capital. Lydie, mon prière pour mon corps, c'est-à-dire les apôtres et les disciples. Il dit, mon prière pour le monde, non. On y a bien expliqué. Le monde de Jean 3, 16 là, avec monde, Jean 17, 9 là, est-ce que c'est même monde que Louis? L'ex-sadicat, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à ce que qui comprend le prêtre, mais qui est la vie éternelle. Quel monde! Quel monde! Parce qu'il y a deux mondes. Le monde des ténèbres de Jean 7, quand Jésus dit avec frère Lyon, le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, il le fait car j'ai rendu de lui les deux manières qui ténèbres sont mauvaises. Jésus-Christ n'est pas mort pour ce monde-là. Parce que le monde, ça attire à Jésus, Jésus va mourir. Il mourit pour, hein, pour le monde de Jean 3,16. Le monde de Jean 3,16. Et le monde de Jean 3,16 là, où on dit est lié, c'est l'Église. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son, sa parole. Éphésiens 7, 1, 2, lui dit, les livrer pour l'Église là. Dans Jean 3, 16, il dit le monde, il n'a pas utilisé le mot Église. Puisque Église a pas de comprendre, il a dit monde. Parce que lorsqu'il dit monde, on parle ou dit groupement, il y a un groupe de monde, ou il y a un groupe de monde. Et ça, c'est le monde. Après l'église a fini de camper, il dit église. Dans la première église, et Éphésiens 7, 1, 2, 3, Éphésiens 7, 25, il dit, il s'est livré lui-même pour l'église, pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire, il s'est livré pour qui? Pour l'église. Ça, j'ai dit dans la parenthèse, pour le monde. Christ a mouru pour le monde qu'il va prier. Il dit, il va prier pour les mondes, non, c'est pour y prier. Pour te dire, c'est pas que c'est pour y le démouri. C'est y'a que le monde, Jean-Trois-Seize là. C'est y'a que l'église là, c'est pour lui, c'est pour l'église. Christ mourit pour l'église, pour l'épouse Lia. Il n'a pas mouru pour tout le monde, il n'a pas mouru tout le monde, pas qu'à sauver, tout le monde, pas sauver, pas pour sauver Lia depuis avant, depuis dans l'éternité, il était élu. Est-ce qu'elle priait pour yo? Elle priait pour yo. Elle priait pour tout le cabinet. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Et dans le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire pour me coller verset 20 à verset 9. Verset 9 là, c'est pour les apôtres et les disciples qui étaient là d'un moment. Verset 20, c'est pour moi-même avoir couleur, mais si pas que verset 20, moi, on nous avait avec. Où il y a verset 20, dit comme quoi dans le message à Cotio pour prier Jésus-Christ et faire pour mériter notre prière. Ça, ça lui forme lui. On a dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. C'est-à-dire qui dans l'église. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, gardez-vous, commandez-vous verset 12, vous dans verset 12 là. Je les gardais en ton nom. Je gardais ce que tu m'as donné. Ça passait. Et aucun d'eux ne s'est perdu.
Mon mouvement, moi, yo, on garde, yo. Pas de l'hygiène qui fait dit. Ah, mais les gens, nous, avons moins bon sinon. Bon, mais la fin, on dit. Sinon, le fils de la perdition, passe. Et aussi, pourquoi le verdict a été le fils de la perdition? Ça passe. Après que l'écriture s'est accomplie. Ça veut dire, bon écriture qui est écrit, mon qui vous péria, ça veut dire, vous coûte l'oreille, ça veut dire, ça périt. Qu'on a dit, mais qui écrit, qui est qui dit, bagaille, ça? Qu'on a mal à servir l'ensemble sans neuf. Et qu'il a expliqué, dans son dernier mot, c'est de Jida à parler. Qu'on a la femme, qu'on prend son sans neuf, qu'on connaît Jida, qu'on a mouru à la série dans Aquamier, Aquamier a dit, c'est Jida. Jida destiné à la perdition. C'était le fils de la perdition. Mais qui s'est passé? Est-ce que mon bon Dieu baille là? Mon papa Réléa, Jean-Jean 644 dit là, Jean-Jean 665 dit là, est-ce qu'il y a un café dit?
Et là, c'est même Dieu choisit les liens. Nous devons avoir la bonne chose là, nous devons nous faire un peu. Sauvez-moi tous les liens. Jésus-Christ, sauvez-moi les liens de la fondation maintenant. Mais puis dans les séries, il faut sauver, oubliez moi-même. Gardez dans toute famille, dans toute la soin, gardez une partie, mais nous-mêmes, nous. On va faire ça, nous voulons le faire, nous voulons honorer ça. Quand tu capes la vie. Seigneur Jésus-Christ, moi, béni, non, vous gardez ma la vie. Alors, sans pas regarder par la faute la vie dans la continuité. Parce que dans pile, alors, par contre, nous avons ce monsieur sur Internet là, qui qu'on a conseillé des versets, il va même comprendre qu'on est censé, il a oublié qu'un Corinthien premier avait dit la sagesse du monde est une folie pour Dieu, Dieu a confondu avec sagesse, tu vois. Aïe, 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 il va même comprendre un an, et il va lui. Là, je dis, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. C'est une préférence, ce n'est pas la haine qui est liée. Parce que Dieu n'a pas de haine dans lui. Dieu montre préférence pour remplacer haï par préféré. Il préférait Jacob à Esaü. Parce que Isaïe, c'est ton bambouchet, bon, il t'a respecté, mon Dieu, parce qu'on est potent, mon Dieu. Son préférence qu'elle y est, c'est pas où elle qu'elle y est. Dieu fait une préférence en fonction des monde qui va le monde dans cette ville-là. On ne peut pas qu'avoir le bon Dieu, même traitement
c'est dit le cap marché droit, c'est dit cap marché droit avec un bambou chèque par mon Dieu dans la ville. Dieu pas capable même tellement. On a dit pas dit mais un tel. Ça veut dire pour le moto préférence par rapport à les deux moutons. Et ça qui apporte pour l'expliquer ça au dia. Pour des tracteurs pas une balle n'importe quoi bagage va rendre. Il ça dit. Qu'est-ce qu'il on nous donne? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. C'est pas parce qu'on veut sauver ou pas sauver. Et l'idée, il faut que les bons sens pour te choisir, sauver. L'homme n'a pas fait le choix pour te dire, mais l'homme n'a pas fait le bon. On pense que moi, avant, on a décidé de choisir Christ. Jamais. Vous avez dit, on m'a accepté Jésus, on m'a dit Jésus la vie, parce que je m'a accepté Jésus, on m'a dit Jésus la vie, j'ai dit que vous ne pouvez pas. Mais avant, vous avez dit, vous ne pouvez pas, mais sinon, bagarre dans notre nom. Bon. Et bien, on choisit Christ, non? Oui, ça dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. L'injustice, c'est que ça, laisse-y, monsieur. C'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si cela ne lui a été donné par le Père. Et puis tout d'ici, on déroule, il va aller, on va aller, on va. Et puis il est tout parti, il a les douze, les douze. Il dit, oh, avant de aller, le jeu, ça n'a pas de mal. Il dit, pourquoi nous va aller, nous? Pierre prend la voix, Pierre dit, mais Seigneur, à qui est-ce que nous allons? Mais c'est où bien la vie, c'est où bien parole, il va la vie. À qui est-ce que vous voulez demander? À qui est-ce que vous voulez demander? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis, le Seigneur répond la parole, il dit, c'est pas moi-même qui t'ai choisi, non, vous, les douze. C'est moi qui t'ai choisi de vous donner, mais donne-nous mon démon. Je choisis nous, mais mon démon, non, mais donne-nous. On ne peut pas choisir tête. On ne peut pas jamais dans le monde qui c'est vous qui choisissez Christ ou d'accepter, vous savez, Christ, tellement t'es gentil. On compte ça bon, on est pour sauver, pour quitter le monde, parce que le monde n'est pas bon, pour ceci, pour cela. Pas de personne, on commence à dire que nous sommes sous, nous ne pas faire choix de Jésus, c'est Jésus qui fait choix de. D'ailleurs, les Jésus qui te fait choix de nous, nous sommes même existants en tant que monde. Nous sommes dans l'éternité en esprit. Christ est quand il est de nous. Et ça qui n'est pas capable de sauver, parce qu'il n'est pas capable de faire choix de nous. Nous ne sommes pas même bien contre le traitement. Imagine ou juste ou élu. Est-ce qu'on veut contrôler l'élection? On va bien le contrôler l'élection du président. Au président. Et où au président a dit même qu'il essaie de faire un coup d'État et va aussi mettre tête au président. Est-ce que vous avez dit que vous avez non, ou pas président? Et où tu vas mettre tête au président? Et où tu vas mettre tête au président? Oh, ou déjà perdu. On va pas perdre, on va mettre tête moi. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté. Pour choisir, il n'y a pas de choisir, il n'y a pas de choisir. Pour sanctifier, il n'y a pas de choisir, il n'y a pas de sanctifier. Et c'est ça, c'est 523. Pour élu, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté. Pour saint, il n'y a pas de volonté. Pour saint, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté. Chaque fille d'âme, le Matthieu 6, le verset 48, il dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Qu'on est là, il doit être parfait, et puis qu'on est là, qui est après moi parfait lui-même. Les sauver ainsi donc cela ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dit pas parce qu'on voulait, ni de celui qui court parce qu'on voit côté de lui, non, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire, c'est lui qui fait miséricorde. Il dit, car l'écriture dit qu'à Pharaon, je t'ai sujeté à baisser pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est depuis avant la fondation monde-là, Pharaon t'a choisi pour jouer ça ou elle jouer à l'art. Parce que Dieu t'a choisi pour le révéler, pour le faire sauver. Lorsqu'il dit Moïse, où met la peuple là? Après, il dit Moïse, où va me déplacer? Et Dieu, il fait ça. Parce que Dieu veut demander ma mieux. On va dire, on décide de faire mon collègue, faire mon collègue. On va faire mon collègue dans mon lieu. Hein? On va faire mon collègue dans mon lieu. Là, on ne l'a pas là, puis on va dire, on va blesser, mais dire n'importe quoi. Mon Dieu va dire, on va quitter. Vous voyez dans l'Église 23, il dit, pardonne le Père, car il ne sait pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai, on va regarder.
Non, il ne demande pas d'ouvrir, on va que tu innocent, il va nous les yeux de toute la terre, on va que tu commettes, vini, à cracher tout, ni frappe, bien qu'on de moins. Où est l'homme, petit Dieu? L'homme, c'est une chose de longtemps. L'homme, c'est l'homme, l'homme, c'est pitié. L'homme, c'est pitié. On a vu, je dis pardonnez, on va vous faire. Et on va vous faire, non? Et on va vous faire. Ça va être déjà fou, et puis tout finit avec vous. Elle quitte la foi au bidon. Vous comprenez? A pas l'aime si l'idée s'arrive à passer. A pas l'aimer, à l'outil sous ton lit, et puis vous la pouvez coller de lui, pour poser Dieu lié. Ou bien ça me dit, on pense que tu sortis, rrrr, bien la vie, et puis on est tout pour une bonne idée. Ou est bon Dieu, quand même, mais qui doit bien la vie. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il est, ça veut dire sauver mon livre, et il endurcit le. Il endurcit qui il veut. Il sauve mon nivelé et il fait perdre mon nivelé. Allez, les bon Dieu, coupez dans l'international, je ne suis pas d'accord. C'est lui qui sauve mon. Il sauve mon nivelé, il fait mon nivelé perdu. On n'a pas dit, l'homme mon perdu, c'est mon Dieu qui dit, oui, c'est mon Dieu qui l'a perdu. L'homme mon sauve, c'est mon Dieu, oui, c'est mon Dieu qui l'a sauvé. Mais attends, le mal, c'est mon Dieu créé, oui, c'est mon Dieu créé mal là. En mal, la sortie, non, oui, non, mon Dieu, sorti. Grand bon Dieu, oui, non, mon Dieu, sorti. Ou pas content, ou pas fier. Le il est bon, il est coupé dans l'international. Ou bon, carotte dans la figure là, bravo, bon Dieu, c'est un bon. Ou bon, accident là, bon Dieu, autorisé. Si bon Dieu va là, il n'y a personne qui va arriver dans la figure. Mais on va rendre compte qu'il y a bon chablette là. Alors, vous bon, il bon, il s'est passé. David ouvre vous chez dit, soldat, il dit, moi-même, David, je dis à vous, c'est moi qui ai la coulée en Israël. Pour petit garçon, je cherche des tuyaux. Qu'on a fait, déjà mis ça là, cap, maudit, cap, jouer, c'est libre à l'attaquer. S'il maudit David, c'est que l'Éternel le lui a dit. Vous voyez comment David dit? S'il maudit, c'est que mon Dieu dit, il maudit David. Quittez le maudit David. Peut-être pendant la maudit David là, bon Dieu a eu affliction, la femme grave. Donc, elle dit, si l'a été débattée, hein, c'est Dieu qui voulait chimer, il lui manque David débat. Pas gagné dans Dieu qui par hasard. Pendant ça, il pile des gars, pile des gars, pile des blousailles, pile bagaille. Pendant elle lit, paquet des blousailles, pile des gars, pile bagaille. Coué! Samuel monté, Dieu dit que Dieu fini. Il fait fini, c'est le jour de l'école. À cause de Samuel. Les plus choisis, Saïl, Dieu même fait papa Saïl, perdit d'être lui. Pour y aller chercher, pour y aller croiser. Tout est prédestiné. Pas de rien qui ont hasard. C'est beaucoup de l'oreille. Tout est prédestiné. Rencontre nous, c'est pour hasard. Il était écrit depuis la fondation de l'Union européenne. On continue, on va finir. Il dit, tu ne diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est, alors, car qui est qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à la volonté de mon Dieu? Il nous fait ouvrir, il nous ouvre aux hommes, et il nous ouvre aux hommes. Mais c'est vous, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et il dit, on coupe tout du cuir sur la peau. Le portier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Dieu, capable de sauver lui, il ne l'a pas perdu. Est-ce que c'est pas lui que vous direz, c'est créant? Ça fait deux, jeune-toi. Verset 22. Et que dit? Gardez vos garçons. Vos garçons, verset 22, verset 23. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, assume
porter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est-à-dire, Dieu formait des vases de colère pour la perdition, comme Jean 17, 12 dit. Moune qui pour périr, Dieu est formé pour le périr. Il aurait des vases de colère, il l'a pour faire mon dépassé. Et ça, c'est moune qui périr, ça, quand c'est bagage du doigt. Puis de la perdition, il l'a pour tout manquer, maille, chevaler, maille, tout le monde qui est lui. L'aide de Dieu va être servie tel non raclé. Qui va l'utiliser en sa vitesse, en sa vitesse pour le rompre en sa vitesse, en sa vitesse. L'Israël péché pour moi, bon Dieu, va Israël local. Israël qui est Pilato. Vous voyez, depuis qu'il y a la vie, c'est pour nous rompre l'Israël. Et puis, nous, l'Israël qui nous a dit qu'on l'a fait, depuis qu'il y a la vie, c'est pour nous rompre l'Israël. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh là là, Seigneur. Oh, la vie, mon Dieu, mon Dieu. On met ça pour bien battre mon Seigneur. Bien battre, bien battre, bien battre, Seigneur. Nous couper nous bien battre pour le bon respect. Israël péché contre lui. Il dit, lui, il a mis la déshonneur, viens régler les mouvements. Les dévigés, il y a qui nous mouflent Israël, Israël pour eux-mêmes. Les dévigés, à la caille. Qu'on a dévigés, à la caille, Dieu. Dieu dit pas long flot parce qu'on est en train de voir. Ça veut dire ça. Dieu donne deux serviteurs. Un serviteur de colère et un serviteur de miséricorde. C'est-à-dire ça. Vase de colère formé pour la perdition, il était 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc Dieu donne deux vases. Vase de colère, vase de miséricorde. Vase de colère, là, c'est pour la colère du village du village de votre colère. Vase de miséricorde, là, c'est pour gloire. Moun, perdition, à moun qui se vient. Avant qu'on va sur mon plan, Dieu, il était préparé d'avant. C'est pas moun, il a décidé que tu étais plus vivant. C'est pas lui dire, oh, je vais faire, je vais faire. C'est pas lui dire, ah, bon, pourquoi tu étais plus vivant, je vais faire une bombe. Non. C'est que tu prépares la voix. Mon petit Dieu a dû déjà préparer mon petit. Il s'absorbe à tous les buts de sauver. Et des fois, on a posé cette question pour terminer. Pourquoi pile religion, ou pas qu'être l'église, ou pas qu'être bagage. Alors, déjà, pile l'église, c'est pas un problème. Mais notre doctrine, si toute l'église était bien sur la tête, t'as poussé la doctrine de Jésus-Christ. Tu veux dire n'importe combien il y a à Bible, gloire à Dieu parce que l'évangile a avancé. Mais non, la pile l'église a des juste pour ne pas briser, trouver l'église de Jésus-Christ. Si tu parles au bon moment pour que l'église aille, qui est l'église? Et numéro 2, mon Dieu pour périr. Il y a un conducteur, ce n'est pas seulement mon qui sauve, il y a un monde qui vous mène. Non, mais c'est mon capteur, il y a un monde qui vous mène. Laissez la question des avis qui conduisent des avis. Si on avait conduit, on avait pu de tomber dans une porte. Faut avec qui vous mener avec, puis la radio. C'est avec qui mène avec. C'est mon perdu qui mène mon perdu. Tout comme c'est mon sauvé qui mène mon sauvé. Élu mène élu. Jésus-Christ a qu'à placer devant l'église, il y a un pasteur qui est perdu. Son pasteur qui est élu pour le placer, parce qu'il vous peut élu. Tout comme il n'a qu'à placer devant un pasteur qui est élu, il y a une église qui périt. Ça va faire. Moun qui périt à gon, moun qui perdu, t'as mené. Faut le bon, moun, au fils de la perdition qui peut mener. L'église qui périt à gon, fils de la perdition qui peut mener. L'église sauvée à gon, fils de la vie éternelle. Yon fils du salut, yon fils de la gloire qui peut mener. Yon fils de miséricorde. Tout le monde est conducteur. Et chaque exception. Faut toujours mettre ça dans la tête. Et tout pile l'église qui est c'est nous capables de conduire tout le monde qui doit aller dans la GNU, dans la GN. Et qu'on a pour arriver, je l'église qui s'en a dit, pile l'église d'ailleurs. On veut faire une révélation. Parce que l'ange l'a vu de côté de pour tout le côté de Simon Naye, mais qui va reconnaître lui, mais qui va être disponible. Pour arriver, je l'ai.
Mais de quoi c'est pas ça, on va nous voir jamais, on va galérer à toi, on va nous voir jamais la bénédiction, c'est pas ça, on va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, qui peut enseigner. Bon, on va y aller, son fils de la perdition, c'est quoi son fils de la perdition, on va y aller, 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 on va y. Alors, si c'est péril, si c'est péril, il y a des gens qui disent qu'on va bon béger. Il n'y a pas si bon étendu. Il y a si. Jésus-Christ de Nazareth, bon béger, parce qu'il nous aide. Tout simplement. On devait dire nous, nous avons fait la foi. On devait nous aider. Voilà. Et nous écoutons attentivement serviteur Patrick. Len depuis la France qui t'a donné la peine pour te parler de être sauvé dès avant la fondation du monde. N'a pas seulement yon pause et bien n'a pas tourné kounia pour nous faire mise au point. Les brachés n'a pas tourné kounia. Gloire, sa croix sanglant. Alléluia. Après jour, il m'aime. Amen. Il m'aime. Amen. Comment répondre à tant d'amour? Je crois. J'aime. Levez-moi, du sable. Sans se lasser. Sans se lasser. Jour après jour, il m'aime. Amen. Il m'aime encore. Comment répondre? Amen. Levez-moi, levez-moi. Sans se lasser tout. Voilà, nous retourner pour nous capables de mettre saut. C'est les paroles sérieux parce que c'est élu, c'est les paroles de la vérité, l'autre élu, c'est la vérité. N'a pris un texte pour nous confirmer et paroles ça, être sauvé dès avant la fondation du monde. C'est non, Jude premier, Jude yon a apotio déclaré, il dit Jude. Serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés par pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Jude écrit pour le dire, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, à souligner, notre salut commun. En d'autres termes, nous constater, en ce qui a trait salut personnel là, pas gain aucun côté à travers la Bible, à travers les écritures qui sont liées salut personnel, monsieur a parlé. Et Paul et Jude. Il dit toujours il a côté ça qui le salut personnel vers moi d'être au Paris Bible. Je dis au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été au passé transmise au sein, depuis dans l'éternité, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Sous pas d'accord, sauvé ou sauvé à jamais. Mais ce qu'on est, et quand on joint ou pas sauvé, hein? Donc, effectivement, c'est normal pour dire que ou pas sauvé ou pas sauvé parce qu'on pas sauvé. Mais
Écriture montrait. Jude dit de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette déclaration a été faite depuis dans l'éternité. Et Jude exhortait pour dire, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, depuis dans l'éternité. Cette condamnation, la condamnation a été écrite pour eux depuis longtemps. Ils sont des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui rendent notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est la vérité. Yon l'autre texte, serviteur a tiré et n'a reconfirmé qui est extrêmement important. Donc, c'est dans Éphésiens chapitre 2. Important. Donc, pas oublier que texte là expliqué. Jean-Paul a parlé avec l'église d'Éphèse. Il dit, oh, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. T'es gagné une époque, c'est ça, nous t'ayez, parce que nous perdu et lucidité, nous tomber dans amnésie spirituelle. Alors, Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous les électés sauvés, bénis dès avant la fondation du monde, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas jeûne, ni veille de nuit, c'est pas croisade, c'est pas 40 jours. C'est pas... Et tout ça y a parlé là, yo, qui permet de nous sauver. Mais elle dit, Claire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans l'éternité en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par le jeûne, ni par les croisades, ni par les réveils, par la religion, n'est-ce pas? Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce qui est intéressant, car nous sommes, nous, les élus, les bénis, les sauvés, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Des fois, elle nous parlait de sauver dès avant la fondation du monde. Et puis, il y a un pile bien-aimé qui, alors, nous joigne, qui dit, eh bien, nous mettre, fait ça, nous voulons. Non. Mais texte clair. Moun qui sauvé, moun qui élu,
nous ayant été créés en Jésus-Christ pour faire quoi? Pour de bonnes œuvres. Ça veut dire, Jean bien-aimé, Patrick Lenson dit, nous créons pour nous saints, nous créons pour nous sans reproche, n'est-ce pas? Nous créons pour nous capables de vivre dans la sainteté. Il dit, afin que nous les pratiquions. C'est pour nous pratiquer sainteté, parce que nous créons pour ça. C'est pour nous pratiquer et faire des expériences à la vie éternelle qui est déjà réservée pour nous. Donc, c'est pour nous faire expérience à ça. Alors, dernier texte, c'est vite à râler, qui est extrêmement important, c'est Acte 2. Acte 2 dit clairement pour tout bien-aimé, le passage 47, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et texte dernière phrase, la dernière phrase a dit, le Seigneur ajoutait chaque jour. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. C'est pas ceux qui étaient perdus, non. C'est pas ceux qui sont perdus, non. C'est pas ceux qui seront perdus. Ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est des sauvés rassemblés ensemble, des bénis. Ça veut dire, nous pas prêcher l'évangile pour nous sauver, nous prêcher l'évangile parce que nous déjà sauvés. Nous pas prêcher pour nous capables de venir bénis. Non, nous bénissons les seigneurs parce que nous c'est des bénis rencontrés pour nous louer le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, la qui est toute puissance d'éternité en éternité. Et mon dernier texte, serviteur Ali, qui est extrêmement important, ce qui était destiné, prendre deux textes à vous mettre ensemble, yon c'est le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé, et deuxième texte, hein, ce qui était destiné à la vie éternelle, crure, ou pas qu'à croire, sont pas destinés depuis dans l'éternité pour à la vie éternelle. Donc, nous comptons, ministre Patrick, c'est juste une confirmation, c'est ça pour nous mettre sous chaque grain de parole, mais tant fin de la guerre, nous t'apprend tout le temps à parler parce que parole yo fortifiante, yo vraiment intéressante. Donc nous bénis et nous espérons ou même qu'à écouter et dans zone environnante yo. Donc chaque dimanche à partir de 7h, n'a pas avec vous avec notre bien-aimé Patrick Laine depuis la France qui va encourager davantage, mettre sous parole. Qui dit déjà, et ça, Coco dit, n'a prêt, n'est-ce pas, pour nous capables d'encourager yon l'autre. Nous avons un slogan qui dit, c'est yon complété l'autre, élu complété élu. Donc, c'est ça lié, non? Yeah, élu complété élu. Nous pas un goût, mais yon lutte. Nous sentons fiers pour by plateforme ça. Et depuis le plateforme radio de Bruit 13 TV existait jamais, excepté bien aimé que nous former et bail l'évangile ça qui sous plateforme ça. Mais autrement, nous toujours dit n'a quitté gros bishop yo de côté, gros titio de côté, nous comme des frères, des sœurs, des bien-aimés,
que le Seigneur fait une faveur pour nous, grâce li. Donc, n'a prêté ensemble pour nous capables continuer à prôner l'évangile ça. Donc, n'a demandé Patrick Len, et ministre Patrick Len, donc s'il a un dernier mot qui s'est d'appuyer. Alors, je dis merci avec tout cœur, bien-aimé, professeur, auditeur, auditrice, Radio Hébreux et Bretèges, mes amis, et toutes les états ou localités dans les environs qui attendent des radios. Je vous remercie et je vous demande des Seigneurs pour être capable de bénir dans le nom de Jésus-Christ, pour permettre que Dieu et continuer à ouvrir pour capable le message qui peut sauver là. Et si tout pas oublier, si vous passez, vous pas frère, si vous passez, vous pas soeur, si vous passez, vous pas l'église, si vous passez, vous pas abandonner. Parce que tout simplement, Ephésiens 1-4 là, ou élu depuis avant la fondation mondiale pour capable saint et sans reproche. Comme Hébreux 12-14 l'a dit là, vous cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi? Parce que Apocalypse 21, le verset 27 dit, car il n'entrera chez elle rien de signé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc si vous voulez vraiment être en vie, vous voulez vraiment entrer dans la vie là, vous devez absolument être saint. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis en ville, je souhaite une bonne soirée, me condamner pour moi, mais non, ça c'est un disciple de Jésus-Christ, tout bon, oui, Jean 13, 24, 35, je suis là. Moi, je suis en ville, bonne soirée, bon courage, merci, c'est le cœur, bon Dieu, des noms, salut toute famille, salut tout le monde. Moi, je suis en ville, salut Jésus-Christ. Fait de même, et notre bien-aimé, Patrick Len, donc c'était vraiment un plaisir. J'espérais rencontrer encore sous même plateforme Radio de Bretèges TV, 8 TV, pour nous capables continuer à prôner même l'évangile, ça, qui ont mystère pour un pile grand, soi-disant grand, qui dit que c'est bishop, des révérends, des archbishops, etc., qui portaient des grands titres, mais qui écartaient de telles révélations. Donc, nous espérons continuer ce travail-là. Donc, si nous déjà payé pour nous dire vérité, donc, bah ouais, encore, qui s'impose une campée pour la vérité. Donc, puisque nous sommes bénis, nous sommes tout ça capable. Ouais, si nous sommes capables pour parole-là continuer à attirer l'autre béni, l'autre électé, quel que soit côté où il est à travers le monde-là. Merci, Patrick Len. Et à la prochaine. Passons une très bonne soirée et à la prochaine. Amen. Bonne soirée, Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Ben. Aïe. Où toujours là, mon Dieu. Où c'est mon Dieu. Quittez mon monsieur jouer. Levez mon l'air. Levez mon. Alléluia. Vamos crier alléluia. Oui, mon Dieu est pas mon fidèle. Vous levez. Aïe, 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 c'est où?